Mon frère m'a écrit une lettre. Il s'agit d'argent. De plus que d'argent, de la maison de nos parents morts et du bout de terre où elle se trouve. Comme aîné, j'en suis l'héritier. Mon frère y habite avec sa famille. Il me demande de renoncer à la maison et au terrain, pour que notre sœur puisse se rendre indépendante et ouvrir une boutique. Ma sœur est employée dans un grand magasin. Mon frère a appris un métier, mais depuis longtemps, il ne travaille plus que sur de gros chantiers, très loin de la maison et du village. Et il fait des tas de choses sans rapport avec son premier métier. C'est une longue histoire. Je ne me rappelle aucun moment de véritable amour pour mon frère et ma sœur, mais beaucoup d'heures de peur et d'angoisse à leur sujet. Avant même qu'ils soient en âge d'aller à l'école, ils avaient disparu toute une journée. Et j'ai longé tout le ruisseau en courant, bien plus loin que le village voisin, là où déjà il se jette dans la grande rivière. Peut-être on ne savait que faire les uns des autres, mais j'étais rassuré de les savoir autour de la maison. On était souvent en désaccord, mais ce qui réconciliait, c'était chaque fois cette pensée. On est quand même tous là. Plus tard, j'ai voulu qu'ils aillent, comme moi, de plus longtemps à l'école. Je suis bien le seul à l'avoir voulu. Souvent, en partant pour la ville universitaire, je suis passé avec ma valise près de la scierie, où je voyais mon frère, sa scolarité à peine achevée, dans son bleu de travail. Puis en autocar, je passais devant l'épicerie, où je savais ma sœur dans sa blouse d'apprenti, devant des balles d'étoffe ou dans l'entrepôt glacé. Et je sentais dans la poitrine comme une piqûre qui n'était pas le mal du pays habituel. Je me disais, je ferai quelque chose. Or, au cours des années, loin du village, frères et sœurs s'estompèrent. Et j'ai trouvé d'autres proches. Toi, par exemple. Et c'était bien. La parenté n'était plus qu'une voix lointaine dans la neige. Une fois seulement, l'un d'eux se rapprocha. Un soir, je regardais à la télévision l'histoire d'une adolescente rejetée par tout le village, parce qu'on l'avait violée, et qui finit par se suicider. Elle s'enveloppa dans un voile ou un châle et descendit en roulant toute la berge du fleuve. Elle restait immobilisée par les buissons, ou par l'herbe haute, ou parce que la berge était trop plate et son élan pas encore assez fort. Finalement, elle y parvint. Fille plouffe dans l'eau et coula à pic. Et au son de la musique d'orgue qui se fit entendre alors, je fus pris d'un accès de larmes. Pas un accès, une sorte de solution ou de libération. La chambre nocturne est alors d'un espace très large, très clair, très vaste. La petite fille qui se noyait, cette image me tombait dessus. Elle parlait de mon frère et me donna l'ordre de l'extraire au moins pour un temps de la maison et du village qu'il n'avait encore jamais quitté, pas même une fois. De l'en sortir au moins pour un temps et de lui montrer quelque chose de ce monde autre. Une fois au moins, il devait quitter son chantier et se montrer autrement qu'en bleu de travail et avoir au moins une idée de la lumière des villes. Jusque-là, il ne connaissait que le paysage voisin
et presque toujours aperçu du lit de la clinique des ouvriers du bâtiment. À peine adulte, il avait déjà les bras et les jambes pleins de cicatrices et de mutilations, autant qu'un vétéran. Il se rendit docilement à mon invitation. Il n'en sortit rien de grand. Mais enfin, cela avait eu lieu. Les années suivantes, c'est vrai, la discorde s'installa entre mon frère et moi, car il avait fait du mal à nos parents. Et il avait dépassé la mesure généralement admise au village. Je m'arrangeais pour qu'il soit expulsé de la maison et de la propriété. Et même il y eut une scène où j'étais moi, debout sur le seuil de la maison, et lui, le rejeté, plus loin, à la limite de la propriété, devant la maison du voisin. Entre nous deux, son sac de voyage bourré de ses affaires, qu'on lui avait déposé le matin sur le chemin, alors qu'il revenait on ne sait d'où. Le silence derrière moi dans la maison, juste avant, à son sujet. Elle avait encore retenti d'une plainte sourde. Je criais à mon frère, « Si tu oses franchir ce seuil, je te tire dessus !» Il ne répondit que par le sarcasme. On n'avait pas de fusil à la maison. Et la seule chose sur quoi j'avais jamais tiré, c'était les fleurs en plastique, les jours de fête votive. « Viens ici et je te descends » cria-t-il à son tour. Et nous restâmes tous les deux où nous étions. Moi sur les marches de la maison, lui à la limite de la propriété. Et nous échangions à distance toutes les menaces et malédictions possibles. Et la nuit suivante, il vint pour de bon chercher son sac. Et il disparut à l'étranger. Travailleur immigré dans une quelconque baraque, d'une quelconque périphérie. Pourtant, après coup, il me semble que cette manifestation d'hostilité n'était pas authentique, qu'elle était simplement jouée. Déjà, tout en échangeant des injures, j'avais par moments envie de rire et de lui faire signe d'arrêter. Nous aurions pu cesser à tout instant sans même penser à ce qui venait d'avoir lieu et aller boire une bière ensemble. Malgré tout le mal dont mon frère était responsable, nous n'avions au fond rien l'un contre l'autre, rien du tout. Et même pendant notre dispute, mais il fallait bien jouer le jeu, rien de définitif. Beaucoup de rêves parlaient de lui. Et c'est de cette façon que nous avons continué à nous fréquenter. Se retrouver au cimetière devant le trou destiné à nos parents ne voulait pas dire qu'on se réconciliait, mais cela nous fortifia, nous calma. Voici ce qui en résulta. Plus jamais on ne se dirait rien de méchant. Je le savais pourtant bien. J'aurais fait à l'époque des choses pires que mon frère si je n'avais pas par chance échappé à la vie qui m'était réservée. Mon frère aime sa femme et son enfant comme s'ils étaient ses sauveurs. La propriété est devenue pour lui une espèce de réserve. Il ne veut plus s'en aller. Et à l'enterrement des parents, il a demandé le droit d'y rester toute sa vie. Là, au cimetière, j'ai vu ce vaurien sous un jour neuf. Un homme fier et étranger à ce lieu. C'était moins d'ailleurs un regard qu'une odeur. Et l'odeur est tenace. La lettre en faveur de ma sœur, c'est un mystère. Et pourtant, cela n'en est pas un. Car en nous embrassant ce jour-là, je sentis sur mon frère l'odeur de l'éternelle victime.